Et c'est parti. Ah bah dans l'ordre, hein, pour l'expérience indicible. Donc on retourne dans le... comment ça s'appelle? Le temple de l'aigle. Alors... stat au début, j'aime bien. Et en plus, il y a du soin. Surtout qu'après... bon, après, il y a le champion. Ouais, donc on se soigne quand même au milieu. Et après, plus rien. Ça va. Dans le doute, je prends le soin. Donc c'est plutôt bien foutu et j'ai vraiment hâte de passer au stade suivant du coup. Mais ça veut dire qu'il faut... en fait, on refait ce qu'on a fait avant, la première partie du donjon, mais ça ne s'arrête plus au champion. Ça continue, pareil, une deuxième partie avec un champion. Donc sur le premier, j'étais en mode, bah on va essayer d'aller le plus loin possible. Parce que je suis pas vraiment stuffé en fait. Je suis pas vraiment de... j'ai presque pas dépensé mes points. Et au final, bah, on est allé au bout. Mais il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que toutes mes malédictions... ah merde, putain. Toutes mes malédictions, elles étaient hyper sympas, quand même. Oh, putain! Et là, en plus, je suis en mode, parce que j'y ai joué il y a pas longtemps. Donc, je suis en mode, j'ai les anciennes malédictions, mais plus du tout. Plus du tout, du tout. En fait, j'avais la chance d'avoir cette malédiction là qui augmente, qui te donne l'esquive infinie quand tu prends des dégâts. Donc ça, c'est le feu. Et là, c'est plus le cas. Il va falloir se réhabituer. Et puis j'avais aussi beaucoup, beaucoup de constitution. Putain, il m'a touché vite, lui. Non, mais putain! Je joue vraiment très très mal. Oh fuck. Ok. On va tourner en rond. Ah mais il a fracassé la... tabasse lui. Eh ben. Moi aussi je tabasse, faut pas me faire chier. Non mais. Ah ben c'est bien ça. Ça me plaît. Je prends. Bon par contre j'ai déjà perdu beaucoup trop de vie. Ok. Dégâts de base, plus 20 pour les armes de G. Plus 15% dans les ténèbres. Bon, pour l'instant, on prend. Sinon, on va pas se priver de quoi que ce soit. Surtout qu'on sait pas dans quelle configuration on s'oriente. Bon. Relique ou stat. Stat, ça devrait le faire. Ah ouais, donc j'ai déjà mes 5 points de constitution. Ça, c'est cool. Grâce au petit bonus que je me suis mis... que je me suis payé. Putain, mais... non. Mais non. Mais non. Mais il me fait mal, ce con. Mais putain, je suis nul. Chaque ennemi tué restaure un point d'endurance. Dégâts plus 30% aux ennemis empoisonnés. Non, c'est bon. On heal. Ah! Petite pièce cachée. Tuer un ennemi avec l'environnement augmente, restaure de 3%. Ouais, ça me va. Ah, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur la dernière run avec toutes ces malédictions qui s'annulaient. Enfin, qui s'annulaient ou qui faisaient rien.
Putain. J'ai une esquive de merde. Je suis vraiment trop mauvais, quoi. Et comme je faisais plus gaffe à l'endurance, justement, à cause de ma précédente malédiction, j'ai trop du mal. Alors, je suis mauvais, hein, je me trouve pas une excuse, mais je suis vraiment très mauvais. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est que je me suis fait conditionner, maintenant. Et on y est. Alors, de la santé, du trésor, ou les deux? Eh bien sûr. Il n'y a pas d'autre... Non. Shut up and take my money! Super. Ben va. Allons vers l'inconnu. Comme ça qu'on fait. Dégâts de base. Ah, pour les boucliers. J'en ai pas et je joue pas trop bouclier. Autant prendre de l'or tout de suite. Ok. Attaque empoisonnée. Eh oui, mais ça me remplace mes guns. Non. Touche pas à mes guns. Mon gun. Je vais là où l'or me mène. Ok. Mais j'ai pas vu. Non. Et là, j'en viens. Ok. Allez, c'est bon. Ah, j'ai mis le feu alors. Mais ta sœur à toi, c'est pas possible. Allez. Je joue vraiment trop mal là, je sais pas comment je vais faire, il faut vraiment que je me reprenne parce que sinon... Oh putain. Ok, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. De la santé, des trésors, ou les deux. Ah, fais chier. Ah, on est qu'au début, hein, les trésors. Ah, c'est pour ça, il faut les deux, mais 42 malédictions, je veux pas. Je veux pas, ça veut dire que je passe la porte et après c'est mort. On prend que la santé. Je prends 20 en passant cette putain de porte. Oui, celui-là. Pas réfléchir 10 ans quand on a le choix après. Du coup, je me soigne pas. Ah, c'est trop tôt. Et malgré un mauvais départ, je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors bien. Mais bon, du coup, je passe la prochaine porte, ça c'est sûr. Je suis maudit.
Youyou! Ouf, il est rapide. Il dégaine, hein. Vous allez me laisser allumer ma flamme? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, on prend. Ok, y a rien sur les côtés. Allez, c'est parti. On trace. Juste, juste. Bon. Ah, mais genre. Vas-y. Non. Peut-être que ça peut me déblayer le passage. Ah non, on va pas passer là tout de suite. Putain! Ah non, c'est bon, ça me ramasse l'or. Ah oui, mais lui, il aurait pu s'activer. J'ai été bien naïf. Non! Mon feu! Mais t'es complètement con, toi! Putain. Oh, ta sœur. Oui, ta sœur. Mais il a pas de sœur. Et je m'en fous. Quel salaud. Moins 10 d'offrandes. Ok. Dégâts plus 100%, donc là c'est des haches au lieu de ma machette. Bah je vais voir ce que ça donne. De toute façon, si j'enlève 4 points de corruption, ça sert à rien, c'est trop faible. On va prendre la hache. Ah, c'est des haches de G. Je crois que j'ai des dégâts de G. Oh bah pourquoi pas. Ça veut dire que du corps à corps avec la lance. On va sur les armes. Armstat. Ah, je sais pas. Soit j'améliore ce que j'ai, soit je change. Ce qui est sûr, c'est qu'on va. On peut améliorer le pistolet. Me paraît pas abusé, voire même la lance, elle est un peu cool. Et allez, on bouffe notre première malédiction. L'or au sol disparaît après une courte durée. Mais j'ai plus. Je ramasse plus d'or. Bon, ça c'est une malédiction gentillette. Hein. Ah mais c'est pas possible. Mais en plus moi je les attaque de près. Je peux être au corps à corps mais c'est débile. Putain. Putain, qui c'est celui-là là? Ça vise pas loin. Putain. Du coup, je suis obligé de me battre à la lance et ça me consomme beaucoup plus de vie. Waouh, il y en a encore. Non, 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 putain de saloperie. Non, non. Je suis en train de me faire violer. Oh putain. Oh, vous êtes pas sérieux là.
Non! Oh là 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 là, le viol! Viol collectif, quoi. En plus, j'ai rien pour m'aider. Eh oh, ça va là, j'ai attaqué avant. Oh putain, la room de merde. Oh là là. Ça sert à rien ça. Oh là 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 là, non. Ah, j'ai pris 80. Restaure de la santé pour chaque ennemi tué. Dégâts dans la lumière. On va prendre ça. Et on paye cash. C'était vraiment une très très mauvaise salle. Bah stat. Ah évidemment, ma malédiction numéro 2. Putain, j'aurais pas dû. Soif de sang, tous les effets de soins standards deviennent inefficaces. Hey! Tuer des ennemis relâchés désormais du sang au lieu de l'or, qui restaure une portion de la santé. La quantité de sang relâché est augmentée par le compteur de kill. Ok, je la connais pas, ça l'a jamais eu. Eh ben, c'est bien. Juste avant le boss. Ah, par contre, les armes de G. Ah ouais, ça me heal. Je l'ai vu venir vers moi, le sang, mais. J'ai pas. Ah putain, je peux les jeter par le feu et ça. Et ça crame! Mais t'es pas sérieux! Je sais pas si ça me heal. Mais c'est trop bien! Allez. C'est vraiment trop trop bien pensé, ça aussi. Ah, c'est bon là, ça va. Tout le monde veut me tuer dans ce temple. Même les statues, même pas. Moins 10 de coups d'offrande. Je crois que j'ai quelque chose comme ça. J'ai la même. Ça m'enlève de la corruption, mais je peux pas être négatif. Non. Bah ouais. Je peux pas être négatif. Je suis pas sûr que ça m'ait soigné en fait. 900, je sais pas. Ah oui, vite. Non! Je te vois, je te tue, tu me tues. Non, 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 non. Le 147, ouais, je l'ai tué. Il est lourd, lui. C'est tout ce que j'ai fait. Oh, fuck. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça heal un tout petit peu. Dégâts de base pour les lances. Bah oui, on va le prendre. Et ça, c'est dégâts de base. Pour les armes de G. Ah. Ouais, mais je veux changer mon arme de G. Ah ouais, mais je vais devoir me taper un boss là avec une arme de G. Ah, dégâts dans les ténèbres, il y a de grandes chances que pour le boss ça sert. Tue un ennemi, restaure 3%. 33% sur les effets de soins. 33% sur les effets de soins. Bon, bah, on va en virer une. Parce que je n'ai pas de soins avant un petit moment. Allez. 40 pour avoir de la santé et du dégât. Ça se paye.
Ça se paye, mais ça veut dire dans trois portes. Mais j'ai le boss, donc je vais en enlever une. Allez. Voilà, déjà, je vais devoir me faire un boss avec 1000 de vie. C'est parti. Oh, c'était déjà vu. C'est bien ce que je disais, c'est tout dans l'ombre a été chiant. Et ça sert à rien de l'affronter de près, mais pas trop loin non plus. Putain. Oh non! Ça fait plaisir! Ah! Putain de tasse! Ah, je suis dans une sacrée merde! Ah putain d'endurance. Allez, on va aller voir ton frère maintenant. Ça n'a pas été simple. Hein. Habilité aveuglante, quoi? L'or au sol disparaît. Ah oui, oui, non, mais oui, je peux virer. Non, l'or au sol qui disparaît. Alors ça, j'ai pas bien compris. Abreuvez-vous de la douce fontaine de vie et oubliez le goût du sel. Tous les effets de soins standards deviennent inefficaces. Tuer des ennemis relâche désormais du sang au lieu de l'or qui restaure une portion de la santé. La quantité de sang relâché augmente lorsqu'on a un grid kill. Bah, c'est pas si pire. Et c'est juste que ça me donne de la vie et pas du sang. On va garder ça. Alors, Smith et Wesson. Ah, un meilleur. Moi, il restaure de la santé. Combo de feu pour tir parfait. Dégâts perception. Bah oui, bien sûr, comprends. Éclat d'onyx. Dégâts plus 30% au coup critique et de la dext. Bah oui, on prend. Base pour les lances, j'ai une lance. On va virer les armes de G parce que c'est ce que je veux remplacer. Je veux changer mes haches. Et allez. Merde. Soin. Eh ouais, ce serait bien, en effet. Il y a du soin un peu plus loin. Ouais, mais on va se soigner tout de suite. Ça, c'est cool, hein, que le soin tombe juste après. Ah oui, mais du coup, ou c'est ça qui disait hormis ça? Non, ça, ça marche pas. Si, ça marche. Putain. Vas-y, de toute façon. Et en plus, là, je prends 20. Amélioration d'armes, non. Je veux armes, moi. Je veux remplacer mes haches de G. Toutes pourries. Alors, subir des dégâts provoque des hallucinations. Oui, je l'aime bien celle-là, elle me plaît beaucoup. Évidemment, maintenant je me suis déshabitué.
esquive infinie alors que je n'ai pas de... Je n'ai plus d'esquive infinie. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Faut que je m'approche. Taras. Bien. Attends, tire 3 maintenant. Ah, oh, mais sauce mon zob. Ok. Il me défonce. Ah, allez, t'es pas sérieux là. Putain. Ah non, il y a un truc qui heal là. Oh là là. Chut. Je me suis fait bien baiser la gueule. Ils sont plus costauds là, les monstres. Ça marche plus, ça? Ah, t'es pas sérieux, hein. Vous m'avez saoulé. Non, allez. Oh là là, je joue comme une brêle. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce pouvoir là? Déjà deux esquives pour le taper. Bien joué ça. Pourquoi tu fais ça? Il se régène. Ok, 8 points de vie, magnifique. C'est beaucoup. Oh là là, je fais de la merde. Autant sur l'autre run, j'étais pas mauvais, mais alors là... Un sgeg. L'arme sans buveuse de vie. Arme à deux mains. Eh ouais, mais... Arme secondaire. Eh non. Eh non, je veux changer ma lance. Je me suis fait baise, là. Pff, pour de la malédiction, en plus. Ah, faveur. Une épée. Flamboyante. Ça me plaît. Ah ouais, mais je peux pas me la payer. Oh putain, c'est une malédiction ou une épée, quoi. Arme principale. Ah, il y a une masse. Oui, mais c'est encore pire. Augmentation des dégâts équivalent au pourcentage de la vie perdue. Ah, mais j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas rester avec ces armes toutes pétées, là. Eh, c'est bon. Je paye. Et comme je gagne plus d'or en tuant les ennemis... Mais j'ai pas l'impression non plus de gagner beaucoup de vie. Enfin, quand ils me mettent un dégât, ils me mettent 25 et moi je récupère 9. Toutes les statues de guerriers sont désormais des pièges. Ok. Ok, je... Ça pourrait être pire. Ah, t'es là, toi. Putain, mais ils ont pas eu mal, là. Ah, vous foutez de moi! Chut. Ah, mais tu fais chier là, te healer.
Pas juste, moi j'ai pas le droit de me soigner. Putain, mais quel gland! Je suis vraiment, vraiment mauvais. Ok. Ça paye bien. Mais t'es pas sérieux, putain. Encore un gland. Mais 94, il m'enlève et ma soif de sang elle me permet de récupérer 9 points de vie quoi. Voilà, 8. Trop aimable. Un fouet, arme secondaire, c'est non. Ah mais de l'or, j'en veux pas de l'or. Putain, j'avais pas vu. Oh là 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 là, le viol. Oh. C'est une de mes pires runs quand même. Ou c'est à ce moment-là que le jeu dit allez, on arrête de rigoler. Oh putain. 300 points de vie. Euh, 10% d'offrande de la constitution. Oui, s'il te plaît. Tu es un ennemi, restore, oui. Les effets de soins, je vais le garder parce que je vais devoir y aller. Pff. Ah putain, j'avais oublié lui là. Ouf. Mais ça va, putain! Pourquoi ces oiseaux qui touchent à chaque fois là? T'as pas marre de tricher? C'est pas pour moi celle-là. Elle est clairement pas pour moi. Bon, ça me fera XP. C'est pas grave. Bah, arme, ouais. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Pfff. 83 points de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, 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 on profite un peu de la soif de sang. Non, 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 tu fais chier. Et voilà. Il fallait que ça arrive.
Je suis dégoûté! En plus, j'ai fait que deux salles parfaites. Et je me suis trop fait violenter. C'était pas possible de continuer. Trop de fois en plus. Sur 3 ou 4 salles, j'ai pris trop cher. Quoi? Oui, non mais merci. Et rappelle-moi les règles du jeu, t'as raison. Bon, eh ben c'était un échec. Mais c'est pas grave, on retentera ça la prochaine fois. Merci, merci d'avoir suivi avec moi. Et puis, bah, à bientôt. Pour la prochaine, peut-être qu'on fera l'autre temple. On va laisser reposer un peu. C'était une trop mauvaise période. Allez, à plus. Ciao.